Okay, so now getting to the next subtitle, which is trigonometrical ratios of angles qui est plus que 360 degrés. Allez, ça c'est très très facile ça. Let us have a look at this one. Vous allez vous trouver que dans les notes, mon diazote comme ça que an anti-clockwise turn of 410 degrés, an anti-clockwise turn of 410 degrés is the same as an anti-clockwise turn de 410 degrés, vous serez 360 degrés. Maintenant, pour ceux qui peuvent troubler un petit peu l'eau, c'est pas difficile. Have a look at it. Let us say these are your four quadrants. Allez, ça c'est votre quatre quadrants. Je prends là, je pin ici. C'est 90. Je récontinue. Je dis faire 180. Je récontinue. C'est 270. Et je récontinue. Alors voilà, je dis complète 180 degrés. Which is, désolé, je dis complète 360 degrés. Which is a complete turn over here. Now let us have a look at it back again. Si je donne un angle de 410 degrés. 410 degrés, let us have a look at it. Allez, 410 degrés, c'est quoi ça? Voilà, le vini, 180 degrés, 270 degrés, vini même, voilà, 360 degrés. 360 degrés, là, je suis tout d'accord qu'il ne finit couvert 360 degrés. Get bien, je suis tout d'accord que c'est anti-clockwise, hein, on peut prendre les dans direction contre et belle. It is anti-clockwise over here, c'est direction contre et belle, which is anti-clockwise, definitely over here. Je suis tout d'accord qu'il me le fait 360 degrés contre veille. Maintenant, si mon bizarre récontine jusqu'à 410 degrés. Allez, si mon bizarre récontine jusqu'à 410 degrés. Mais ça veut dire en d'autres mots, on peut arrêter quelque part ici. Je suis tout d'accord avec moi, là, guette bien. Si mon fait un détour comme ça, 360 degrés. Bon, récontinue encore 90 degrés. Pour ceux qui disent moi comme ça, quand vous pouvez régler 90 et encore, vous dites bien. Je commence là. Je vais venir, je vais faire 180. Je vais terminer net, vous vais à 360 degrés. Alors, c'est quand vous pouvez référer encore un coup de la guette bien. Prends là pour venir là, combien faire ça? Prends là pour venir là, c'est 90 degrés. Vous pouvez bien saisir là. Comme à chaque fois que vous bougez dans un quadrant, prends là pour venir là, 90. Prends là pour venir là, 90. Prends là pour venir là, 90. Prends là pour venir les référements en point de coûte 90 degrés. Ça veut dire en d'autres mots, each time that you move through one quadrant, you move 90 degrees. As you can see for this one, prends la bobine là, prends ici, bobine jusqu'à ré ici, me le fait 360 degrés. Maintenant, si vous avez besoin de récompléter, allez, 360, 370, 380, 390, nous allons les mêmes jusqu'à l'effet nous, jusqu'à qu'il y fait nous 410 degrés. Jusqu'à qu'il y fait nous un total de 410 degrés. Maintenant, vous autres, have a look at it. Mais ça veut dire en d'autres mots, ça veut dire en d'autres mots, si un dimoun fait, comment dire, des dimouns de galoper. Un dimoun, il prend là, il galoper, 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 il vient là. Il galope 410 degrés. Maintenant, si un dimoun il prend 10 là, il galope là. Il prend juste là, il galope là. Combien il galope au total? C'est 410 degrés, vous dites 360, c'est 50 degrés. Mais ça veut dire en d'autres mots, quand vous faites un détour de 410 degrés, quand vous faites un détour de 410 degrés, il paraît pour moi, vous faites un détour de 50 degrés parce que tous les dimouns à la fin, vous devez même place. Ça dit que qui commence ici là, il galope, 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 il fait 410 degrés. Vous êtes tout d'accord là, il galope, galope, il fait 410 degrés. Mais il paraît comment ça dit que qui galope juste 50 degrés là, tous les deux à la fin pour restituer même place. Ça veut dire en d'autres mots, ça veut dire en d'autres mots que 300 soit, ça veut dire en d'autres mots que 410 degrés anti-clockwise, il représente 50 degrés anti-clockwise. Vous pouvez bien saisir dit par ici là, oui. Ça veut dire en d'autres mots. Ça veut dire en d'autres mots. Tout le temps quand je angle. Tout le temps quand je angle. Alors, il peut dépasser 360 degrés. Alors, je n'ai qu'un pour prendre angle là. Je retire un laps de 360 degrés.
Gain par exemple 410 degrés. Dans 410 degrés, combien laps de 360 degrés n'a? Et n'a un laps de 360 degrés. Je prends 410 degrés, je retire 360 degrés, alors je me gagne 50 degrés. Ça veut dire en d'autres mots que 410 degrés anti-clockwise est égal à 50 degrés clockwise. Okay, it's good for this one. Alors, c'est ça qui nous expliquait par ici là. Now, let us have a look at example 6. Et l'indienne, comme ça, que nous aussi, bizarre évaluer dedans. Allez, sine de 510 degrés. Alors, comme exemple 6. Allez, comme exemple, le numéro 6. Exemple 6, partie A. Allez, l'hypécose, combien l'hypécose 510 degrés avec moi? L'hypécose sine de 510 degrés avec moi. Mais vous autres, sine de 510 degrés, alors ça va être quoi par ici? Sine de 510 degrés, alors premièrement 510 degrés, alors combien laps de 360 est là? Et là, un laps de 360. Alors ce qui me va le faire, je prends 510 degrés, je retire mon 360 degrés. Vous avez bien ces idées là. Alors cela vous donne 150 degrés. Ça veut dire en d'autres mots, que 150 degrés anti-clockwise, les pouvoirs, désolé, ça veut dire que 510 degrés anti-clockwise, alors les pouvoirs, 150 degrés, toujours, désolé, hein, ici c'est anti-clockwise, hein. Mes excuses, hein, mes mille excuses pour ici. Vous espérez me prendre Philippe abritisote là. Vous réexpliquez. Ça veut dire 410 degrés contre réveil. Il vaut toujours 50 degrés contre réveil. Parce que ça dit qu'il fait tout ça les tout. Les galoupes tout ça là. Nous gagnons l'autre ça qui paraît celui. Les galoupes juste ça qui là. Mais à la fin tous les dés, moi je vais commencer à les galouper là. Moi je vais à la fin tous les dés pour être aux autres dans la même place. Ça veut dire en d'autres mots, ça dit moun qui fait 410 degrés là, les vignes là, ça dit moun qui fait que 50 degrés là. Je trouve à même place. Je peux saisir par ici là. Oui. Alors, likewise over here, ça veut dire que 510 degrés anti-clockwise, il vaut la même chose que 150 degrés anti-clockwise. Je peux bien saisir là. Oui. Ça veut dire en d'autres mots, sign. De 510 degrés, ça veut dire que sine de 510 degrés, l'équivaut sine de 150 degrés. Vous avez bien saisi, ça veut dire que sine de 510 degrés, l'équivaut sine de 150 degrés. Maintenant, let us have a look at it. Allez, sine de 150 degrés, comment nous pouvons faire ça? Allez, dis-moi vous-même, ça c'est quoi là? Sine de 150 degrés, ça, l'équivaut trouve dans deuxième. Vous êtes tout d'accord que l'IP trouve dans le deuxième quadrant. Pas oublier l'Indien, nous comme ça, nous vous donnons une réponse en termes d'acute angle. You're requested to give the answer in terms of an acute angle over here. Et qui va le formule, je l'apprends. Sin 250, le fait que l'IP trouve dans le deuxième quadrant. Dans le deuxième quadrant, qui veut-il apprendre? Dans le deuxième quadrant, je veux-il apprendre que. Alors voilà, la sine of theta. Is equal to sine de 180 degrés retiré theta. C'est ça qu'ils ont dit d'apprendre. You can just get back, turn the pages in your copybook. You will see that sine of theta, les vaut sine de 180 degrés retiré theta. Est-ce que c'est positif ou négatif? Pas oublier, nous pouvons dans le second quadrant, vous autres. Quand nous causons dans le second quadrant, alors pas oublier quand nous causons dans le second quadrant. Alors, sine, il reste positif. Attention, je ne finis pas en mettant négatif ici. Alors, ce qu'il dit pour venir là. So, it implies que sine de 150 degrés, il pour vos sine de 180 degrés, on retirait 150 degrés. Cela veut dire que il vient sine de 30 degrés. Voilà. C'est ça qui examinateur avait rodé avec Zone. Qu'ils ont récit exprimé en termes acute, parce que, get bien,
C'est non qui fait du bois fait soit là. Allez, l'hypérode sine 510, non. L'hypérode sine 510, mais nous prenons calculatrice sine 510. Voilà, c'est half. Vous avez compris qui fait mon bois fait tout soit là. Qui fait mon bois fait soit là comme une calculatrice, que nous avons réponse à comme 0.5 directement parce que calculatrice, pas pour une autre salle. To make it, to make this become, in terms of sign of an acute calculatrice, pas pour donner une calculatrice pour qu'assiste dans une autre réponse finale là, quand je vous type de sign de 30 degrés, vous trouvez que l'IP est donc 0.5. Je type sign 510 peut donc 0.5. Je type sign de 30 pour donner une autre 0.5. Ça veut dire que tout nous calcule bon. Parce que si nous ne calculons pas, tu bon, ça dit là, tu ne peux pas tomber pareil. Je peux saisir si sign 150, il tombe 0.5 et sign de 30, il tombe 0.5. Veut dire que, indeed, ça de là, c'est égal. Mais si ça de là, c'est égal, c'est parce que nous faisons le tout bien. C'est les élèves qui gagnent 540 degrés. Pas tout le temps pareil. C'est les élèves qui gagnent 540. 5510, 5 et 5250, peut tomber 0.5. C'est les élèves qui ont mal fait, ils mettent 540. Il va peut tomber 0.5, il peut tomber l'autre valeur. Faudrait nous bien faire le tout bien. Faudrait nous faire le tout bien. Les là qui, comme quoi, vraiment, ça deux valeurs là, les pour match. Ça veut dire que nous avons un coup. Comment on a gagné ça? On a gagné nous 130 comme il y a bien là, il y a 3 après, vous avez testé. 130, 0.5, bien bon. 550, 0.5, tant qu'il reste même valeur, bien bon. 550, 0.5. Mais la question c'était 5510. Si 5510 là, même pas comme 0.5, c'est nul. Et voilà, 5510, il fait donc toujours off. Faudrait tous les 3 tombent off. Là qui vraiment nous capable de dire que nous bonne réponse si bon. Si tous les 3 tombent pareil, c'est parce que tout nous bannent différents steps, ils tombent bon à cause ça qui les récit vraiment tombent half pour tous les 3. So the answer is thus half over here. Let us have a look at the next part. Allons comme deuxième partie, c'est quoi? Cos de 930 degrés. Allez, comme partie B. L'hypécos cos de 930 degrés. Dans 930 degrés, combien laps qui nous gagne? Combien laps de 360? Guette bien. Laisse-moi expliquer ce tout ça là. Allez, ça c'est un les tout, 360 degrés. Un deuxième les tout, 720 degrés. Guette bien. Un les tout, des les tout. Ça jusqu'à ici, c'est 720 degrés. Voilà, maintenant combien nous restait? Nous faisons faire 930 degrés. Nous faisons faire 930 degrés. Allez, dis-moi, 930 retient 720. Alors, c'est 210. Ça veut dire qu'il me reste encore 210 degrés. Allez, il me reste encore 210 degrés pour aller. Allez, nous allons 210 degrés. Voilà, 90, 180. Et voilà, nous 210 pour quelque part ici, parce que guette bien. Jusqu'à ici, comme le label lit, ça c'est 0 degré, 90 degrés, 180 degrés. Laisse-moi mettre l'autre couleur plus facile. Ça c'est 0 degré, ça c'est 90 degrés, ça c'est 180 degrés. 270 degrés, nous revient l'eau. Quand nous finissons faire les tours, quand nous revient là. Quand Timon fait démarrer, il peut démarrer là, oui. Mais maintenant, cette fois-ci, quand nous finissons faire les tours, il revient 360 degrés. Réajoute-le avec ça, 360 plus 90. Chaque carré de bousier, je débouse 90. Arrêtez. Prends là pour venir, prends 0 pour venir, 90. 90 pour venir, 90, 90 sur 90, 180. Réfère 90, 180 plus 90, 270. Réfère 90, 270 plus 90, 360. Réfère 90, 360 plus 90, 450. Réfère 90. Alors, comme on réfère 90, voilà, c'était 180 degrés. 450, ré plus 90. 540 degrés, ré plus 90. Alors, cela vous donne 630 degrés. Et à la fin, voilà, cela vous donne 720 degrés. Maintenant, 720 degrés, réfère 90. Combien vous donne-t-il? 810 degrés,
Réfère 90, 900 degrés. Donc, réfère 90, get 970 côté, 970 degrés. Et à la fin, voilà, il fait nous 1000. Et laisse-moi vérifier quelque chose. Ah, c'est ça, on veut dire là, 720 plus 90, oui, plus 90, 900, plus 90, c'est 1080. Très bien. Allez, let us have a look at this one. Et quand nous get libre ici, là, vous êtes, allez, ça, au total, nous avons 3 circuits là, hein, au total, nous complétons pour 3 circuits. Maintenant, c'était pour 930 degrés. Allez, voilà. Un détour, allez, un détour, 360. Réemprunte les tours, 720. Nous avons 930. Allez, nous arrivons 720 là. Allez. Refais le quadrant. 810. Pourquoi arriver là, nous arrivons 930. Refais le quadrant, 900 degrés. Refais le quadrant, 970 degrés. Ça veut dire que vous refaites le quadrant après vos délais tout qui en noir, vos délais tout les pétés présentés en noir, voilà, c'est bien, c'est 720 degrés. Ça veut dire que quand vous mettez 720 degrés là, alors voilà. Quand vous mettez 720 degrés par ici, ça c'est vos délais tout qui vont le faire. Laisse-moi mettre plus bien vous autres. Alors ici là, ce premier détour, ça c'est 360 degrés. Là, il me fait le délai tout. Alors ici, il me fait 720 degrés. Ça veut dire qu'au total, c'est 720 degrés pour juste la partie en dehors. Maintenant, quand il prend 720 degrés, il refait un quadrant. Un quadrant veut dire 90 degrés. Ça veut dire qu'il complète 810 degrés. Il refait un quadrant. Il arrive 810 là. Il fait 900 degrés. Nous, nous faisons jusqu'à 930. Ça veut dire, en d'autres mots, voilà. Mais 900, maintenant, s'il vous fait un quadrant, en gros, il est 970. Il n'est pas bon parce que vous arrivez 930. Mais à moi, je ne connais que c'est ici. Vous avez ces idées-là, ça veut dire à moins que je connais que c'est ici qu'il m'a besoin d'arrêter là. Ça veut dire en d'autres mots 930 degrés là pour arriver. Ça veut dire en d'autres mots 930 degrés là pour arriver jusqu'à ici. Mais combien en tout qu'il m'a besoin d'ajouter là? Combien en tout qu'il m'a besoin de refaire? Quand on finit de faire des laps, combien en cours qu'il m'a refaire là? C'est 930, c'est 720. Alors cela vous donne 210 degrés. Vous avez ces idées. The good news is for the exams, if ever you get such a question, you don't have to do all of this. This was a detailed explanation. You don't have to do all of this for the exams. Je n'ai qu'un an pour retirer la quantité laps de 360 degrés. Et moi, je montre les autres là. Parce que si vous avez un an pour retirer la quantité laps de 360 degrés, je ne peux pas l'apprendre ni par cœur. Là, tandis que je finis par comprendre. Alors, comment est-ce qu'il coste de 930, il vous coste de 210 degrés. Parce que vous finir retirer, vous bien finir retirer la quantité de laps de 360 degrés. Dans 930 degrés, vous gagnez deux laps. Vous gagnez deux laps de 360 degrés qui fait à moi 720 degrés. Vous gagnez deux laps de 360 degrés qui fait à moi 700, qui fait à moi 720 degrés. Vous avez ces idées là. Alors voilà, ça qui restait là, elle est là. Ça qui restait là, elle est là, c'est ça même qui dit pour vous. Alors, cela veut dire que cos de 930 degrés, alors aussi pour vos cos de 210 degrés. So, if ever you get such a question for the exams, or you have to use part of this for the exams, vous pouvez avoir fait ce diagramme là, vous n'avez qu'un an pour prendre 930 degrés, on retire combien laps? Combien laps de 360 degrés vous pouvez gagner? Alors, nous gagnons deux laps de 360 degrés qui vous donnent 720 degrés. Alors, vous n'avez qu'un fait 930, retire 720 degrés. Alors, cela vous donne 210 degrés. Et comment cela vous donne 210 degrés? Maintenant, ça, c'est dans quel quadrant ça? Ça, 210 degrés là. Je suis tout d'accord que ça, c'est third. This is third quadrant. Et third quadrant qui montre les autres comme formule. Comme formule, voilà, third quadrant qui montre les autres que quand son theta, L'hypocauste de combien? L'hypocauste de theta. Retirez 180 degrés. Et pas oublier, dans le quatrième quadrant, c'est cos qui est positif. Alors, ça veut dire, en d'autres mots, Lily, pour prendre un négatif. Vous avez bien ces idées parce que dans le troisième quadrant, alors, cos, il tombe négatif. C'est tan qui est positif.
veut dire que ça n'est qu'un tombe négatif. Et pas oublier, associé-toi à Q tangle, c'est pi à retirer 180 degrés à l'os dans le troisième quadrant. C'est ça qui nous servit comme formule. Alors, c'est une cos de combien? Ça veut dire en d'autres mots, c'est une cos de 210 degrés est égal à négatif cos à l'os de 210 degrés. Retirer 180 degrés, alors cela vous donne négatif cos à l'os de 30 degrés par ici. Alors, négatif cos de 30 degrés, cela vous donne combien? Let us have a look at it. Let's give our answer correct to 2dp. Alors, négatif cos de 30. Alors, voilà, c'est négatif 0.8660. So, correct to 2dp. Alors, c'est négatif 0.87. So, here it is, correct to. So, here it is, correct to 2dp. Mais voilà, qu'est-ce qu'il a fait qui est très essentiel dedans? Is to obtain it, get bien. Il y a deux questions là-dedans. L'indien nous bizarre aussi gagner en termes de ce acute-angle, pas oublier. Nous aussi bizarre gagner en termes de ce acute. Est-ce qu'il m'en gagne en termes de ce acute? Oui, m'en gagne en termes de ce acute ici. Alors cela veut dire que, alors si m'en réussit gagner en termes de ce acute par ici, alors c'est ça même qui est plus important, c'est ça même partie qui est plus scoring là. Parce que négatif 0.87 là, PDP commence même là une calculatrice, donc à partir de cos de 930. Donc, PC Zini, au commencement, même au cas de cos de 930 dans une calculatrice, vous avez une réponse là. Voilà, c'est ça qui est important là. Ça, c'est ça, this is this part which is going to earn you the maximum mark, because you have to go through all of this. Et indeed, quand nous vérifions cos de 930 comme réponse, c'est de nous négatif 0.866. Alors, ce qui paraît comme une réponse finale, which means that all of these are good because if there's one single step which is wrong, you would not be led to this answer. Okay, it's good. Let us have a look at the third part. Alors, comme troisième partie maintenant. Alors, comme troisième partie, ça veut dire c'est la partie C. Libérez-moi cote de 1390 degrés. Ah. Premièrement, dans 1390 degrés, nous avons combien l'axe de 360 est là. Bien là, nous prenons nos calculatrices, ça fait 360 plus 360. 720. Nous faisons deux laps. Nous avons combien nous avons gagné? Ré plus 360, nous gagnons 3 laps. Vous trouvez là, nous finissons gagner 3 laps. 3 laps, ça arrive nous jusqu'à 1080 degrés. Ça veut dire 3 laps. Bien là, hein? 3 laps of 360 degrés. Alors, l'IP vaut 360 degrés fois 3, l'IP de nous 1080 degrés. Allez, nous réor, point de coude essayé, plus 360 au point de coude. Ah, il est dépassé. Ça veut dire l'IP dépassé, il est bien 4 laps. 4 laps de 360. Alors, c'est 360 fois 4. Cela vous donne 1400. Cela vous donne 1440 degrés. Mais 1440 degrés, l'infini dépasse. 1440 degrés. L'infini dépasse 1390 degrés. 1440 degrés, l'infini dépasse 1390 degrés. Ça veut dire en d'autres mots, dans 1390 degrés, ça veut dire, so it implies. Alors voilà, ça veut dire que it implies 1390 degrés. Ça veut dire que 1390 degrés, it consists of only. Ça veut dire que 1390 degrés, it consists of only 3 laps de 360 degrés. Parce que si je fais 4 laps, je vais 1440 degrés. 1440 degrés, il est plus fort que 1390 degrés. Vous avez bien saisi là. Ça veut dire que dedans, je gagne que 3 laps. Ça veut dire que dans mon gain que 3 laps de 1360, mon gain que 3 laps de 360 degrés, alors ce qui permet moi à un total de 1080 degrés. Ça veut dire combien qui est resté là, là. Alors combien qui est resté? Mon gain qui est là pour faire 1390, retirer 300, retirer, et désolé. Alors mon gain qui est là pour prendre mon angle qui est 1390 degrés. Mon retire, qui m'a dit à zone, nous retire tout le temps la quantité de laps qui nous gagne. Alors, sa quantité de laps, c'est 3 laps de 360 degrés, qui fait moi un total de 1080 degrés.
Alors, ça veut dire que je n'ai qu'il y en a pour faire 1390 degrés. Retire. Alors, mes trois labs de 360 degrés qui peut de moi un total de 1080 degrés. Alors, cela vous donne combien? Alors, cela vous donne 310 degrés. C'est ça qui restait. Alors, ça veut dire en d'autres mots. Alors, cela veut dire que cos. Désolé, c'est cot. Ça veut dire que cot de 1390 degrés. Alors, il paraît pour ma cote de 310 degrés. Now, please be careful over here. Cote de 310 degrés, c'est quoi là? Premièrement, ça, il peut tomber dans qui quadrante? Premièrement, ça, il peut tomber dans faux quadrante. Allez, très bien. Il peut tomber dans faux quadrante. Cote, comment je t'en apprends? Cote se porte, c'est tan. Alors, the fate of tan governs the fate of cot. Vous êtes tout d'accord avec moi? The fate of tan governs the fate of cot. Allez, dis-moi, vous êtes même. Qui vous êtes en train? Que tan of theta, niveau tan de 360 retiré theta dans le quatrième quadrant. Tan de theta, niveau tan de 360 retiré theta dans le quatrième quadrant. Et pas oublier que tan, alors, pas oublier que tan, niveau négatif, dans le quatrième quadrant. Dans le quatrième quadrant, c'est que cos qui est positif. Ça veut dire dans le quatrième quadrant, c'est tan qui pouvait, c'est tan qui pouvait négatif. Alors, ça qui arrive avec tan arrive pareil pour cot. Mais cela veut dire que tan of theta, il pouvait une cot of theta et sa négatif tan là aussi, il pouvait une pour négatif cot. Alors, je trouvais comment je construis une formule là pour les examens. Ça veut dire dans le quatrième quadrant, cot of theta, il pouvait négatif cot de 360 retiré theta. Alors, cela veut dire que nous arrivons au code de 310 degrés. Alors, code de 310 degrés, il pouvait négatif code de 360 retirer 310 degrés. Alors, cela vous donne négatif code de 50 degrés. Et voilà. Maintenant, it is time for us to know if it is good or not. Parce que s'il n'est pas bon, ça veut dire en d'autres mots que there's something which is wrong over here. Si vos bonnes valeurs n'est pas ton bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est mal. Maintenant, pour nous capables faire cote. Désolé, moi-même, on a fini pour prendre calculatrice là. Pour nous capables faire cote de 50 degrés, cote, comment je te connais, nous pas qu'à typer la calculatrice. Alors, pour nous capables typer cote la calculatrice, alors, cote, c'est quoi ça? C'est 1 upon 10. Pas oublier, vous autres. Pour nous capables type code. Dans exemple 1, on fait avec vous autres. Pour nous capables type code. La calculatrice. Code should be expressed in terms of 10. Vous avez bien ces idées là. So code should be expressed. Code should be expressed in terms of 10. Alors, les là, vous êtes capables type la calculatrice. Alors, ça veut dire négatif code de 50 degrés. Les pouvez négatif 1 sur 10 de 50 degrés. Alors voilà, so what is it going to be for this part? Négatif 1 divisé par tan de 50 degrés. Alors cela vous donne négatif 0.839. And let us have a look at it. Est-ce qu'il est vraiment bon? We hope that it is good parce que si pour l'examen, alors quand je fais négatif 1 au tan 50 degrés là, il n'y a pas tombé pareil comme la question de cote de 1390. Ça veut dire en d'autres mots, il y a une full graph quelque part, voilà. Nous avons type code de 1390. Pour nous, type code de 1390 sur calculatrice, alors c'est 1 divisé par. Alors c'est 1 divisé par tan de 1390. Alors voilà, qui nous donne même réponse. C'est qui nous donne même réponse. Qui quand même fait code de 310, c'est parce que le tout est bon. Alors voilà, ça c'est la réponse code motivé bizarre en termes de ce. Acute angle, je t'en rappelle, mais tu fais bien en termes de ce acute angle, here it is. Ça, c'est la réponse pour ce acute angle. Vous avez bien ces idées là. Et voilà, maintenant, pour ne pas type code de 50 degrés, code, le fait que c'est 1 sur tan, alors code de 50, pour une 1 sur tan de 50 degrés, alors voilà, cela vous donne négatif 0.839, et l'indienne nous correct to 2dp, alors c'est négatif de 0.84, correct to 2dp. 2dp means, alors deux chiffres après décimal. Getting to the next part over here. Let us have a look at the next part. Alors, the next part which is about cosec de 1600 degrés.
So for this one over here, alors pour cos sec de 1600 degrés. Allez, nous allons écouter maintenant dans 1600 degrés. Dans 1600 degrés, combien est-ce qu'il y a? Dans 1600 degrés, combien l'arc de 360 nous gagne? Let us have a look at it. Alors, comme pour la partie D maintenant, dans 1600 degrés. Alors, premièrement, nous perdons de cos sec. Alors, premièrement, nous perdons de cos sec de 1600 degrés. Let us have a look for this one. Alors, pour cos sec de 1600 degrés, alors ça va être quoi là? Allez, nous arrivons au 4 là, fais-nous 1440 degrés. Nous essayons de faire 5 fois 360 à 5 fois 360, fait de nous 1800. Si 5 fois 360 fait de nous 1800, ça veut dire que nous ne pouvons pas gagner 5 là. Mais nous pourrions aussi gagner par contre 4 là. Vous avez ces idées là, nous ne pouvons pas gagner 5 là parce que 5 là fait de nous 1800 degrés, mais nous pourrions aussi gagner 4 là. Vous avez ces idées là, 4 là fait nous 1440 degrés, alors nous n'avons pas pour faire 1600 degrés. Vous n'avez qu'à faire 1600 degrés, retire 1440 degrés. Alors cela vous donne combien? Alors cela vous donne 160 degrés. Ça veut dire en d'autres mots. Ça veut dire en d'autres mots. Guette bien là, hein? Pas oublier l'instruction. L'instruction tout le temps c'est quoi? L'instruction tout le temps c'est. Alors vous n'avez qu'à pour prendre. Vous angle, retire maximum l'arbre qui est capable de gagner de 360 degrés. Comme on retient maximum l'arbre qui va gagner de 360 degrés, c'est 4 l'arbre de 360 degrés qui donne moi 1440. Bon, prends mon 1600, on retient 1440, on gagne 160 degrés, which is left out. Ça veut dire que cosec. Ça veut dire que cosec de 1600 degrés, alors voilà, les pouvaux cosec de. Les pouvaux cosec de 160 degrés. Maintenant, 160 degrés, dans qui quadrant ça? Alors, 160 degrés, les trouve dans deuxième quadrant. Vous êtes tout d'accord là. 160 degrés, les trouve dans deuxième quadrant. Alors, ce qu'ils ont dit d'apprendre dans deuxième quadrant, premièrement, pour nous faire cosec. Cosec sur camarade, c'est sine. I hope you still remember. Cosec sur camarade, c'est sine. So, what happens to sine in the second quadrant happens the same to cosec in second quadrant. Allez, nous regardons un coup. Dans deuxième quadrant, qu'ils ont connu que sine of theta. Alors, niveau sine of theta, niveau sine de 180 degrés, retirer theta. C'est ça qu'ils ont appris dans le deuxième quadrant. Pas oublier, dans le deuxième quadrant, sine is positive. Ok, it's good. So, this is formula for sine in the second quadrant. So, likewise, will be the same for the formula of cosec, parce que cosec, sur camarade, c'est sine. So, what happens to sine happens to cosec, because cosec is 1 upon sine. Alors voilà, so what happens to sine will happen also to cosec. Pas oublier que sine tombe positif dans le deuxième quadrant. Alors cosec si tombe positif dans le deuxième quadrant. Alors voilà, so cosec theta is equal to cosec de 180 degrés retiré theta. Ça veut dire que, alors cela veut dire que cosec de 160 degrés, les pouvoirs cosec de 180 degrés retiré 160 degrés, alors cela vous donne cosec de 20 degrés. Voilà. Maintenant pour ceux, faites-moi un diamant qui gagne diamant avec monsieur qui fait nous parler de dilemme, qui fait besoin de travail tout cela. Parce que les diamants, vous êtes donné un acute angle 160 degrés, c'est pas un acute, c'est un obtuse ça. Faut des autres vérifier qui vraiment, tous autres bonnes réponses finales, évidemment, en un acute parce que l'instruction c'est, alors voilà. In terms of an acute angle, same trigonometric function, please make sure that you verify your cosec is maintained in terms of cosec. And please make sure to verify that the final answer is in terms of an acute angle. Then only you can have it typed. Maintenant, pour nous type cosec 20 degrés, la calculatrice, qui n'est définitivement pas possible. Pour nous type cosec, la calculatrice, comment vous dites d'apprendre que cosec, c'est 1 upon sine. Alors, cosec de 20 degrés, c'est 1 sur sine de 20 degrés. So upon typing, we get 1 upon sine of 20 degrees. Alors cela vous donne 2.923. C'est 2.923 par ici, as I can see. Alors correct to 2dp gives you 2.92. Here it is correct to 2dp. Mais pas oublier de vérifier vous autres. Vérifiez si vraiment ça cosec 2600 là. Alors voilà, l'IP vaut pareil. Comment ça cosec 20 là? Non, vérifiez pas ici.
Alors, nous gagnons une réponse comme 2.92. Mais si nous conseillons 2600 par contre 2.92, ça veut dire que notre mot besoin d'une faute quelque part là. Parce que si vraiment les bons, nous besoin d'une même réponse. Allez, nous typez par ici. Alors, conseillons 2600. Comment je fais pour type conseillons 2600? Le fait qu'il nous prenne un conseil fonction nos calculatrices. Pareil, quand je type un conseil de 20, comme 1 sur 5 de 20, pareillement, pour je type conseil de 1600, alors c'est 1 divisé par 5 de 1600. Et voilà, cela vous donne la même réponse, which implies that, alors que tout bon working salibon, vérifiez qu'il vraiment le tout. L'intom en termes même fonction veut dire conseil en termes conseil, alors ce qui vaut angle, il récipe une acute angle, et aussi vérifiez qu'il comme quoi, votre réponse finale. Alors, si pétons pareil comme la question est demandée, la question est demandée, conseil de 1600, alors voilà, make sure qu'il